Bonjour, Twiggy, ancienne nounou, maintenant chargée de recrutement chez Kangourou Kids. Je vais vous expliquer comment faire jouer votre enfant avec presque rien. Pour faire jouer votre enfant avec presque rien, vous pouvez récupérer des boîtes de toute taille, des grandes, des moyennes, des petites. Avec ces boîtes, vous allez pouvoir créer un bateau, une maison, un robot, une voiture, laisser libre cours à votre imagination. Par exemple, pour créer votre robot, vous allez pouvoir découper un trou dans le haut de la boîte pour laisser passer la tête de l'enfant, sur les côtés, deux trous pour laisser passer les bras de l'enfant. Ensuite, laisser libre cours à votre imagination, récupérer des objets dans la maison, comme des bouchons, des boîtes de yaourt, du papier alu. Avec des petites boîtes à chaussures, vous allez pouvoir créer par exemple une petite maison de poupée. N'hésitez pas à récupérer des bouts de papier peint, des bouts de moquette, des bouts de tissu pour décorer la maison. Avec une boîte de céréales, vous allez pouvoir par exemple créer un petit théâtre pour les marionnettes à doigts de votre enfant. Pour créer ce théâtre, découpez un carré sur le devant de la boîte, décorez-la avec des rideaux rouges par exemple pour recréer la scène du théâtre. Découpez ensuite le dos de la boîte de céréales sans aller jusqu'en bas afin de pouvoir laisser un espace pour ranger les marionnettes à doigts. Il ne vous reste plus qu'à décorer la boîte avec votre enfant pour qu'elle ressemble à un vrai théâtre. Vous pouvez aussi récupérer un carton afin d'en faire un puzzle, laisser dessiner l'enfant un dessin, le retourner, dessiner des formes de puzzle, les découper. Avec les compartiments de boîte à œufs, vous allez pouvoir les découper, les assembler en faisant un trou au milieu, y passer une ficelle et en faire par exemple une chenille ou un petit serpent. Avec des éponges, vous allez pouvoir découper différentes formes. Vous allez ensuite pouvoir les tremper dans la peinture et créer des animaux, des paysages. Laissez libre cours à votre imagination. Avec des morceaux de ficelle de différentes tailles, tracez avec votre enfant des formes sur le sol et demandez à votre enfant de sauter de forme en forme. Avec des feuilles et de la ficelle, créez des cartes ludiques en recréant l'alphabet et les chiffres. Laissez ensuite votre enfant retracer les lettres ou les chiffres avec la ficelle. Voilà, vous avez maintenant quelques idées pour vous amuser avec presque rien avec votre enfant.